Coucou, une petite vidéo aujourd'hui parce que ce matin au courrier il y avait ma boîte à beauté. Donc c'est la toute première que je reçois, donc je suis impatiente de l'ouvrir. J'ai juste, vous voyez, ouvert ça et j'ai pas été plus loin parce que je voulais le faire en live. Donc voilà, donc quand on a la boîte à beauté à l'intérieur, c'est comme ça. Donc vous avez le petit, d'après ce que j'ai vu dans toutes les vidéos, le petit menu qui se présente comme ça. J'aime bien, j'ai beaucoup le logo, il est très joli. Et après, vous avez donc le papier de soie avec à l'intérieur le petit pochon. Alors, on y va. Donc, le petit pochon, il est comme ceci. Déjà une bonne taille, hein, avec le petit logo maboîteabeauté.com sur le côté et le logo sur le devant. Il a une très jolie couleur vert très clair, vert tendre. C'est très sympa. Et dedans, il y a... Tadam! Regardez comme ça, je dirais 1, 2, 3, 4, 5 produits, me semble. Alors, le premier que je trouve, c'est une eau thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc, une eau micellaire nettoyante et démaquillante visage et yeux pour peau sensible. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent sur le petit papier? L'eau pure du Mont-Blanc qui jaillit à Saint-Gervais-les-Bains est préservée par un écosystème unique, naturellement apaisante et cicatrisante. Elle est reconnue depuis 2 siècles en dermatologie. Alors, je connais, j'ai fait une vidéo hier que je vais vous mettre aujourd'hui sur un produit Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ça a une crème pour les mains. Elle est vraiment top top. Donc si ça, c'est aussi bien que la crème pour les mains, ça doit être assez sympa. Donc voilà pour le premier produit. Donc c'est un format 75 millilitres. Donc je pense que ça doit être une édition, ça doit pas être un full size, ça doit être un truc voyage. Après, j'ai Nividiskin Baume Tempête Soin Radical des Peaux Fragilisées. Voilà. Voilà, donc c'est à 30 millilitres, donc je pense que ça doit être un full size. Alors, s'y mettre une formule concentrée issue des algues d'Ouessant, très efficace pour les peaux fragilisées par tout type d'agression, été comme hiver, soleil ou froid. Bon, il est fermé. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, je vais l'utiliser. Hop. Je vais tester. Ouais, l'odeur est... Ça a plus une odeur de pommade médicament en fait. Mais au niveau de la texture, il est pas mal. Il est pas mal. Ça doit être vraiment très hydratant. D'ailleurs, j'ai pas senti... Ouais, ça sent rien de particulier, le Saint-Gervais. Alors, on continue. Donc, il y a également... Donc, Pura Bali, une huile éclatante de roucou. Hydratation corporelle, éclat de la peau et massage. Donc, c'est ceci. Donc, c'est un... Je sais pas combien de millilitres. 50 millilitres. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en disent? Un concept unique de cosmétique aux ingrédients puisés dans la nature balinaise. Pour des soins authentiques issus des traditions ancestrales. Non, je suis pas très huile, moi, par contre. J'ai serré, mais en général. J'ai du mal à couler en plus. Par contre, ça sent super bon. Ça sent un peu le... Vous savez, les magasins qu'on trouve avec plein de trucs indonésiens, tout ça. Ouais, c'est un peu l'encens en fait. Ouais. C'est pas une révélation. Ensuite, il y a ceci. Ah, ça tombe bien, je voulais tester. Donc, c'est un... Il y a un produit de la marque Pulpe de Vie fait en Provence. Donc c'est un gratouille-moi.
Un bergamote encore, cassis, tomate et noyau d'abricot. Ça a l'air trop bien. C'est des produits. Donc ça, c'est des produits bio. C'est un 125 ml. Donc à mon avis, c'est un full size. Donc ils disent des cosmétiques naturels à base de fruits aux propriétés antioxydantes, stimulantes et hydratantes qui vous donnent une sensation de bonheur, de bonne humeur. Donc il a l'air vraiment top. Je sais pas si c'est fermé ou pas. Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Ça a l'air vraiment top. Mais pour l'instant, voilà. Donc je suis très contente de ce produit. Et le dernier produit qu'il y a dans mon pochon, ah oui, après, c'est tout vide. Donc c'est ceci. Bimatke, Baume Miracle. Je ne connais pas du tout. C'est tout petit, hein. Ça fait 6 grammes. Oh! C'est comme ça sent le. Un peu comme le Vicks en fait. Inspiré de la médecine traditionnelle asiatique, le baume miracle Bimatke calme rapidement de multiples petits maux, douleurs musculaires, migraines et agressions cutanées. Ah oui. Ça me rappelle quand j'étais au collège. L'infirmière, quand on avait mal au crâne, elle nous mettait, vous savez, c'était des petits bâtons qui passaient sur le crâne. Là, mais ça sent exactement pareil. Bah, j'essaierai, parce que ça peut être sympa quand on a mal au crâne d'avoir ça sous la main. Donc j'essaierai, donc c'est ça, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, donc au final, si je récapitule, j'ai eu donc une eau thermale Saint-Gervais. Que, bah, je trouve ça très sympa, je suis très contente. Une eau micellaire nettoyante, démaquillante, c'est toujours sympa à tester. J'ai eu une huile éclatante Roucou hydratante, donc je connais pas du tout la marque, donc ça me plaît beaucoup aussi. J'ai eu aussi un baume tempête de Nividi Skin pour les peaux, soins radicaux des peaux fragilisées. Donc pour les mains, ça peut être super sympa pour l'hiver, donc ça me très sympa. J'ai eu un produit pulpe de vie que je voulais tester, donc je suis super contente. En plus, le packaging est super rigolo et tout, et je trouve que ça a l'air assez sympa. Et j'ai eu donc le Bimatkey, le petit baume à base de camphre, qui a l'air assez sympa aussi à tester. Donc je suis vraiment pour une première. Je suis super contente de cette ma boîte à beauté. Alors j'en avais pris que pour un mois. Mais je crois que je vais prendre un abonnement de 3 mois. Et si ça existe, je sais plus si ça existe pour ma boîte à beauté. Enfin bref, je vais bien voir. Mais je pense que si ça existe, je le ferai. Parce que bah, je suis super contente de ce premier. Et puis j'ai envie de continuer. Voilà. Donc bah, je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.